Hey, salut Jamie, cette vidéo est justement pour toi parce que tantôt on avait parlé de l'Highway Patrol, de la Floride, le FHP. Alors, je t'avais dit que j'avais installé les packs, alors on va essayer l'uniforme de la Florida Highway Patrol. Puis derrière moi, il y a le petit Ford Explorer de la Florida Highway Patrol. Voilà ce qui en donne. Bien sûr, c'est des add-ons, donc ce n'est pas des modifications. Je vais te montrer les nouveaux véhicules de police que j'ai installés. Mais tout d'abord, nous allons regarder les gyrophares du Ford Explorer. Alors, ça donne ça qui est le code 3, ça qui est le code 1. Dans le fond, le code. Le premier code, c'est uniquement les gyrophares rouges qui, dans le fond, c'est les clignotants là, qui clignotent. Ça, c'est les warnings. Et ça, c'est le code 3 là, qui clignote. Donc, nous allons pouvoir aller regarder. Ceci, c'est des super voitures de police car. Explication. Et ça, ils ont deux types de liveries. Ça, c'est le premier liveries pour la Dodge Charger qui est superviseur. Et il y a le superviseur en noir. Celle-ci, c'est le Ford Explorer en noir. Nous avons ici le Ford Explorer en blanc. Qui est assez intéressant à savoir que le jeu modifie lui-même les liveries. Bon, nous allons nous mettre disponible pour les appels. Et nous allons pouvoir partir. Bien sûr, les véhicules qui sont ici sont parqués sur des places pour handicapés, mais ceci est un autre problème que je vais devoir régler. Alors, nous allons commencer. Nous allons pouvoir. Ah, c'est un homme poignée de rouge. Street Fight. Ok, explication du call. C'est deux personnes qui se battent qui sont en plein milieu. Oh shit, monsieur, vous allez pouvoir le dire au service de la police. Vous mettez ça sur mon dos, ok. Merci. Désolé pour le petit accident. Ok. Le Ford Explorer n'a pas du tout le même truc que je pensais. Là, ce que nous avons, c'est. Attendez 30 secondes. Dispatch of fire! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Ok, Oh fuck! Drop ton gun! Drop ton. Ah shit, ok. Dispatch coup de feu de la police. Ok. Nous allons appeler une ambulance. J'ai besoin d'une ambulance. Yeah, c'est parfait. Voilà, vous avez vu le dérapage que j'ai fait avec le Ford Explorer. Ouais. Elle tient vraiment pas la route. Je sais même pas pourquoi je l'utilise, c'est juste que vraiment nice. Par chance, il ne s'est passé strictement rien. Il n'a aucun dommage, ce qui est excellent. Nous allons demander au service de police de pouvoir repartir. Je me charge du reste, car je fais partie quand même de l'Highway Patrol. L'Highway Patrol a beaucoup plus d'autorité que les simples policiers car l'Highway Patrol est sur tout l'état de Floride. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai bel et bien ma bodycam d'activer. Je ne me souviens plus trop comment l'éteindre. Attendez.
Ok. Oh, pardonnez-moi. Je crois que nous avons un mort, deux morts. Nous allons appeler les coronages. J'ai bien sûr mis des nouveaux véhicules pour les coronas. Alors, vous allez les voir dans quelques instants. Dispatch, j'ai besoin d'un coroner. Alors, voilà ce qui est du coroner. Il devrait arriver dans pas long. Ah, elle est là. J'ai décidé de le mettre dans un Ford F-150. Mais bien sûr, ils ont les nouvelles tenues que je leur ai mis. Qui est ceux des coronaires. Ils vont être vraiment marqués comparé à ceux de base. Voici les girofles que ça donne pour les coronaires. Et oui, c'est ça que ça donne, mais c'est vraiment beau. Personnellement, moi j'adore ce type de véhicule là, mais... Ah, shit. Ok. Les policiers vont s'en charger, bien sûr. Je connais pas moi, c'est pas sur mon véhicule qu'ils ont... qu'ils ont foncé dedans. Donc, ce n'est pas tellement à moi de m'en occuper. Oh, pardonnez-moi. Oh, fuck. Pardonnez-moi. Alors. Nous allons pouvoir retourner en patrouille. Oh, shit. Voilà. Le corps vient d'être terminé. Une chance qu'ils montent dans la ville. Sinon, la ville aura plein de batailles. Ok. Pour le véhicule qui est ici. Attendez, là, je m'en occupe. Ma jambe merde. Ich. Bon, ce n'est pas très grave. Nous allons nous charger du véhicule. Vous allez voir aussi mon nouveau flatbed. On va bien sûr aller chercher mon nouveau gilet pare-balles parce qu'il vient de me scrap les ambulanciers. Il a précédé pour m'aider. Ah, shit. On va devoir le prendre, mais on va... Ah, le call a été annulé. Ah, pis les autres ont le... Frank Duval, c'est nice. No trouble. Ok. On y va. Alors, le Hank No Trouble... Oh, fuck, ça va sauter. Shit. Non, mais, monsieur, dégagez. Voilà. Faut que je m'en approche trop. Dispatch, j'ai besoin des feux. Je sais, j'ai dit feu, mais c'est à cause que, justement, j'ai besoin des pompiers. Ah, enfin. Ok. D'accord. Les pompiers vont arriver. Ah, voilà mon nouveau flatbed. Mais ça, c'est une autre affaire. Vous demandez pourquoi je suis assez loin bon, il y a là les pompiers. Vous vous demandez peut-être pourquoi je me suis mis assez loin du feu, parce que si ça explose, mon véhicule explose avec. Il vaut mieux prendre ses distances, ceux qui viennent de voir qu'il n'y a plus aucun feu, donc on va demander un tow truck. Dispatch, j'ai besoin d'un dépanneur. Pour lui, on va lui demander un large. Alors.
Ah, j'ai oublié de vous montrer. Dans le plugin de ma bodycam, avec le son que vous avez entendu, il vient le meilleur truc, ceci, qui est. Je peux rouler aussi avec, mais c'est comme assez inutile car je ne vois plus ma mini-carte et je ne sais plus ce qui se passe. Donc, je préférais continuer comme ça, mais si vous voulez, je peux faire mes patrouilles avec ma bodycam de mal. Ça me dérange pas du tout, parce que c'est assez amusant. Sinon, moi je suis bien heureux de faire cette petite vidéo pour mon ami, car lui, bon, messieurs, oh fuck, il vient de me manquer. Alors. Vous me demandez sûrement pourquoi j'en étais un. Ah, shit. Dispatch, je demande une ambulance. Bonjour, je bégaye. Voilà. Comme ça, le monde va pouvoir passer. Et donc vraiment, là, lui qui a fait ce mode, il est très très bon. Mais il lui manque une affaire. Jimmy, c'est à toi de deviner. Car en Californie, comme à Los Angeles, ils sont obligés d'avoir une chose sur leur aéroport. À toi de deviner. Bon. Comme vous avez pu le constater, les ambulances qui viennent d'arriver, c'est une ambulance de Chicago, mais ça n'est pas très grave, car c'est marqué sur le côté, si ça aurait été marqué sur les aéroports, là, ça aurait été un autre affaire. Sauf que là, c'est tout est bien correct, et lui, j'ai oublié de le fouiller, je suis con. Non, j'arrête pas de le regarder, parce qu'il est tellement beau, le Ford Interceptor. Ah non, parlons ce qu'il y avait dessus. Ok, des stupéfiants sûrement, nous allons demander au dispatch s'il n'y a pas quelque chose contre lui. Nous allons le prendre et le mettre dans le dans l'arrière de mon véhicule. Voilà le travail. Pardonnez-moi. Ça ici. Je sais qu'on fait pas ici. Totalement. Fin que là. Je suis comme un petit peu. Pris. De toute façon, ok, c'était de la cocaïne. Parfait, parfait, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour possession de cocaïne, assaut et, j'ai demandé descente. Monsieur, vous allez d'abord monter, pardonnez-moi, c'est mon erreur. Voilà le travail. Et on remplit tout de suite le rapport. Et on va. Pardonnez-moi, je vais juste attendre ça, et voilà. Petit stuff. Pas de database. Monsieur Max Green, il n'y a pas d'image. Mais on sait que c'est lui. Arrest report. Location charge. Possession. Possession of drugs. Cocaine. Crack cocaine. Non, c'était que de la cocaïne. Violent crime. Assaut. Un simple assaut. Dans le fond, assaut sur un officier. Les F, c'est pour des félonies. Les félonies, c'est les actions les plus graves. Tu veux pas avoir ça contre toi parce que c'est très dur. Voilà. Alors, c'est ça qui est ça. Je vais juste... Ceci. Et,
celle-ci. 10-4. Ah, shit. Ok, il est sorti Pascal Call, c'est terminé. Pas parce que le script avait planté. Alors, monsieur, vous allez y aller avec mon collègue. Là, il est speedy. Moi, j'adore les nouveaux uniformes que je leur ai mis. Avec le Taser X26 qu'ils ont. Et leur nouveau Motorola. Qui est la radio. Et leur petit Glock, si je me trompe pas. Ouais, c'est un Glock. Oh, Solid Station. Ah, ça, c'est vraiment les call-outs les plus tristes qu'ils ont. Solid Station, c'est une prostituée. Et je sais que je parle beaucoup, puis que les youtubeurs habituellement ils ne jasent pas beaucoup. Sauf que là c'est juste que je jase parce que je jase. Mais habituellement ils font pas ça les véhicules, t'inquiète pas, c'est juste que j'ai pris le mauvais. Sinon ils ne font pas ça. Faut essayer de rouler assez lentement quand ça arrive. Bon. Vous voyez les personnes qui est là, c'est avec elle, c'est avec lui que je parle. On va juste. Ah, shit. Je peux pas remonter la pente comme ça, donc on va aller sparker ici. Voilà voilà. Et on retourne au bodycam. Oh. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Play saver, please. Okay. Dispatch, j'ai besoin d'une ambulance. What's happened? Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais sur mon chemin pour aller faire. Pour aller acheter des choses et pas le temps de lire. Est-ce que vous avez vu d'autres personnes qui auraient pu faire ça? Il n'a pas vu personne d'autre. Il vit ici. Il se souvient que. Je viens de juste de sortir du shop et. Il l'a trouvé là. Ok, j'ai plus suivi trop là, c'est. Ok. Alors là, rendu là dans ce coin là, c'est à moi de décider si je le laisse partir ou soit je l'arrête. Check. Durant l'enquête, on voit bien que le détenu. C'est pas le mettre en état d'arrestation, sinon j'aurais cité ses droits Miranda. On voit juste le détenu. Mon personnage, je sais qu'il a dit vous êtes en état d'arrestation. Mais il n'est pas en état d'arrestation. Je fais juste le détenir. Juste le temps de l'enquête. Bon, monsieur, vous avez rien qui pourrait piquer, me faire chier. Vous avez pas de pistolet de bazooka, whatever, drogue, stupéfiant. Ok, c'est vite. Un couteau plein de sang, la madame a été cotée, donc. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et pour assaut avec une deadly weapon ou arme létale. Un transport s'en vient vous chercher, attendez ici. Alors, nous allons faire aussi pauvre Monsieur Great Aneros Report. Charge. Violent crime, homicide, murder, capital murder, seven clause. Voilà, le rapport il est fait, je vais le mettre sur scène, mais là il est trop tard. Alors vous voyez, là c'est femme de la LSPD, puis ceci c'est le shérif Los Santos County, Department of Correction.
Là, ici, on a le LSPD, le LSSD et le County of Los Santos San Andreas. C'est la ville, département de la correction. Ok, j'avais cru qu'il y avait un bug au niveau des roues, mais non. Ok. Alors, vous pouvez constater, c'est un beau fort de transit, de transport de prisonniers, que je trouve assez beau. Nous allons retourner pour faire un dernier appel. Puis on prendra le dernier appel, puis ça va être fini là pour la vidéo pour Jimmy. Alors c'est bien triste qu'on n'ait pas pu faire de traffic stop, parce que les traffic stop c'est assez rigolo. Bonjour messieurs. On va juste passer à côté d'un groupe postal. Faut juste attention qu'il n'y a pas personne. Je sais, je viens de commettre un crime, mais... Écoutez, je suis pas poursuivi toutes les directions. Déjà que j'ai fait mes stops, c'est déjà beaucoup. J'essaie de régler ma limitation de vitesse. Car oui, il faut jouer réaliste. Si on joue la police, il faut faire ce que la ville. Oh shit. Ok. On s'attend derrière lui. Vous saviez que Highway Patrol, c'est les seuls à pouvoir contrôler les voitures de police. Mais on le fera pas parce que le script n'intéresse pas les contrôles sur les véhicules de police. Tiens, pourquoi pas qu'on va prendre un dernier call puis faire un traffic stop. Et après, ça va être terminé. Tiens, on va prendre lui. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simple. Dispatch, j'ai besoin d'une vérification de plaque. Oh oh oh, alors nous avons déjà ça. Oh shit. Mon fort d'interceptant ne freine pas. Donc les destructions sont privées, ça va être directement au département de la du policier qui a commis le méfait. Donc ce n'est pas à moi de payer, ça va être au gouvernement, ça va être sûrement repris sur ma paye. Donc je demanderai les documents. Ok, il y a une grosse odeur de narcotique. Nous allons demander un pet check. Une vérification d'identité. Est-ce qu'il y a un warrant? Ok, pas d'active warrant. Ou un mandat d'arrestation, warrant c'est en anglais. Alors. Comme j'ai une forte odeur de drogue, je préférais faire un test de stupéfiant, pardonnez-moi. C'est. Ok, cocaïne, ecstasy. Vous allez sortir immédiatement du véhicule. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Pas trop drôle, hein. Ce n'est pas ton jour de chance, hein, pal. J'ai oublié de me mettre à traffic stop. Donc je suis. Alors on va le fouiller. Alors je vais vous citer vos droits, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous allez dire ou direz pourra être tenu contre vous. Est-ce que attendez, il faut que je recommence. Attends. Ok, il y a un sac de cocaïne. Ok, alors on recommence. Messieurs, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder silence. Tout ce que vous direz pourra être tenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez droit à un appel, à un avocat. Et si vous n'avez pas les moyens, un vous sera commis d'office. Et vous avez le droit de l'eau et de la nourriture en cellule. Est-ce que vous avez bien compris vos droits? On va prendre ça pour un oui.
mais habituellement on serait supposé de répéter jusqu'à 3 fois et après nous sommes obligés de faire comme si c'était un oui. Mais là, comme c'est un jeu vidéo, il peut pas me répondre. Voilà ce qui est là. On va juste. Ah oui, c'est vrai, le drogue sort. C'est pourquoi je l'ai refait. Je sais qu'elle est déjà intoxiquée. Ce n'est pas nouveau. Alors. Bon, c'est encore la même affaire. Pourquoi ça a changé? Hein, c'est toujours la même affaire. J'ai refait ça. Toi, c'était en état d'arrestation pour klaxon abusif. Pour klaxonnage abusif. Pardonnez-moi, monsieur. Je vous avais pas vu. Oh, pardon. Alors, voilà. Bon, nous allons fouiller le véhicule. Si il a simplement des tubes dedans, c'est déjà, on rajoute ça. Ok, rien de plus. Cocaïne. Ça ici. Quand le transport. Et on va coller un tow truck. Ça va être ça. Voilà. Là, il y a le véhicule qui va venir chercher le suspect. Puis le blablabla, tout le tralala. J'aurais dû faire ça. Regardez-moi ça, c'est pas trop cool. Non, mais... Checkez-moi ça. Ça peut être... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça, je me suis fait ramasser parce que je ne contrôle pas le contrôle sur cette caméra. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Là, on va jouer avec la bodycam. J'essaierai de m'améliorer avec la cam avant de mon véhicule. Ça va oublier que mon large, c'était ici, il y avait des zéros. Fuck. Donc, nous allons pouvoir repartir pour notre dernier appel. D'accord, je prends pas une carte pour que je n'ai pas l'autorisation de tourner sur la rouge. Ah, puis si vous voulez regarder, mon ordinateur de bord est fermé. Mais habituellement, il y a la photo de Trevor sur l'ordinateur de bord. De recevoir un nouveau call. Hi there. Non, je pensais qu'il avait promis les pots d'échappement. Je les avais pas vus. Thank you.
mon phare d'explorateur, mon phare d'intercepteur est beaucoup plus gros que tous les véhicules du jeu. Donc, c'est pour ça un peu que j'ai un petit peu de misère de passer à côté d'autres véhicules. Oh fuck, ça va être ça notre dernier call. Parce que là ça c'est un très gros truc. Parce que ça se peut aussi que ça parte en délit de fuite. Ou refus d'obtempérer pour les Français. C'est tellement laisse mon refus d'obtempérer. Ok. Alors là, je suis obligé de faire ça, 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 ça. Voilà. Parce que ça, c'est très gros crème. On va attendre un petit peu plus de backup. Il serait supposé d'avoir une autre voiture qui arrive. Ouais, ça va prendre Crown Victoria derrière. Et ensuite, ça va être à mon tour de sortir. La Ford Crown Victoria va se parker juste à côté du Ford Interceptor. Ok. 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 Ça peut être aux collègues qui vont venir les manoter. Monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ok. Il n'est pas encore trop sécurisé. D'accord, là il est sécurisé. Ok. Ok, alors il devait aussi conduire sur l'influence. On va directement le seul que c'est pas ce qu'on est supposé de faire dès qu'on l'arrête, mais on va essayer. Je ne suis pas du tout le protocole. Thanks. Salut sergent. Ok, conduite sur influence aussi. On va le faire fouiller. J'ai deux officiers, un sergent puis un commandant qui est moi. Car c'est moi qui fais tout. Ok, une gun. Ok, j'ai bien fait d'appeler deux backups de plus parce que sinon il y aurait plus de. Faire une tentative de meurtre sur agent. Sur agent de la paix. Ok, voyons. Ce qu'on pourrait faire de plus. On vous a cité vos droits, oui, blablabla. Donc, on appelle le transport. Voilà, travail. Ne vous en faites pas, c'est une tuque casquette, ouais, c'est assez spécial. Et il porte des gants, le policier. Ok. Voilà, nous. C'est nous qui allons faire le reste. On va clear. Et on va. Investiguer. Ok, alors qu'est-ce que monsieur avait dans son véhicule? Oh, une mallette pleine de coke qui est un bon poids de méthamphétamine et c'est tout. C'est tout ce qu'il avait d'intéressant dedans.
Bien, c'est d'accord, nous allons pouvoir faire vraiment. Ah, pourquoi je recommence à le fouiller? Ça fait chier quand ça m'arrive de me tromper tout. Voilà le travail! Ok. Et ensuite, on va faire à monsieur un petit. En plus, sa licence était suspendue. Donc, on va y mettre charge. Possession. Drogue. Cocaïne. Et amphétamine. Oh, ça va être ça, drogue pharamanila. Paraffin fernalia, blablabla. J'arrive pas trop à le dire, mais je sais que c'est ça. Donc, ça, on va le fermer. Possession, on va d'abord aussi le fermer. Pour passer. D'accord, il était pas recherché. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire aussi? Possession de stup. Ça va être ça pour l'instant. Il n'y a pas de gun permis. Donc, on va y rajouter une nouvelle charge qui est possession. Illégal possession firearm. Ensuite, charge. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cocaïne, larme. Non, c'est trafic. Non, non. Ah oui, c'est vrai, under affluence. Save. Et là, c'est les affaires que je lui ai mis. On les voit ici. Sauf qu'on voit pas. Je devrais le changer cette affaire-là parce que j'en ai des mêmes. J'en ai trouvé des bien meilleurs. Mais. Je sais pas. Je devrais peut-être. Trafic, violent crime. Non, violent crime. Qu'est-ce que nous avons là? Prostitution, ça c'est sollicitation. Je pense que ça va closer toutes les affaires qu'on a à faire. Le garde. C'est vrai, on a. Le suspect n'est plus à l'arrière. Donc on s'en avait débarrassé déjà. Bon, je crois qu'il est temps de dire. Bon, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, liké, vous partager. Ceci était une première. Si vous en voulez d'autres, vous pouvez en demander. Bien, c'est ça qui est ça. Bye bye.